Let's go la VOD! On joue à Lies of P! Franchement, on te voit bien. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ah, c'est... Voilà, c'est facile, fond vert. Ah ouais, non, mais du coup, ça va être un peu transparent. Bon, écoutez. C'est un peu transparent, mais ça passe. Ce sera... voilà. Coucou la VOD, oui, vous voyez un petit peu là-haut à gauche si vous voulez dire coucou à la VOD. On est sur Lies of P. Retour. Ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. La dernière fois que je devais jouer, on avait fait un react de dessin animé. Et un blind test de générique de dessin animé. Ce qui veut dire que je ne vais pas du tout jouer. On venait d'avoir un bras qui faisait des trucs, mais je sais plus ce que c'est. Alors on va aller vite fait s'entraîner. Et on va pouvoir après aller à la suite de la quête principale qui est je ne sais plus laquelle. On avait fait aussi une épée gourdin. Une épée un peu bizarre. Et du coup j'avais ça. Ah maintenant j'ai un truc électrique. Et quand je charge... Ok. Et taper c'est ça. Non, ça c'est taper très fort. Ça c'est taper pas très fort. Ok. Et Y ça faisait quoi? Ok. Y c'était l'ulti je crois. Et B... B c'est ça. C'est esquiver en fait B. B c'était esquiver mais pareil c'était quoi? Ça c'est me heal. Je me rappelle plus comment je parais. En haut à droite garde. Ah oui. Merci. Ah ouais voilà. Ça et ça. Ah il faudra pas que je confonde. Ça et ça. Là j'ai un truc de dur à d'armes. Ah d'accord, ok. Exceptionnel. Comment je fais déjà? Je sais plus comment gérer mes raccourcis. Attendez. Menu, changer d'arme. Attaque supplémentaire, c'est A. Ah, voilà. Non. Ok, c'est bon. Salut Ming! Et on peut pas sauter. On peut pas sauter. Je vais arrêter de rouler, ça me prend beaucoup de temps. Hop là. L'épée gourdin pour ma peluche. Ouais, désolé. Mais en vrai, ta peluche est trop bien. Cucu, moi du futur. Oh, trop mignon. Oui, on vous voit un petit peu, mais à l'arrache, parce que j'ai pas encore... Franchement, j'ai plein de trucs à faire, et en ce moment, je suis pas très... Je fais les choses à l'arrache. Bizarrement. C'est surprenant, hein, venant de ma part. Je crois qu'il faudrait que je me mette de l'autre côté. Parce que là, je crois que... Oh non, en fait. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que j'avais un objectif? Et si oui, lequel était-ce? À sélectionner. Menu. Je sais pas comment aller vers la droite, là. Là-haut. Ah, comme ça. Information du personnage ou sac? Information du personnage. Il est là, Tim. Ouais. Non, je voulais voir les quêtes, en fait. On avait une sorte de journal, non? Non, bah non, non, c'est pas... Non, c'est comme tous ces jeux-là, il y a jamais de journal. On se démerde, hein. Ça se démerde à max, hein. Timothée Chalamet. Hihihi. Comment est ces mensonges depuis 3-14-2? Eh ben, en vrai c'est sympa. C'est un jeu dispo sur le Game Pass donc il y a, voilà, c'est facile d'accès. En revanche, trop peu, je trouve, de choses qui changent par rapport à tous les Souls qu'on connaît déjà, et notamment Souls de From Software.
J'ai envie de continuer un petit peu. J'aime bien le fait qu'il soit un peu plus linéaire que bah, qu'il dépasse ce côté open world à la Elden Ring et qu'il soit pas trop l'impératique pour le moment. On verra après. Welcome to Hotel. Parlez. À propos des rôdeurs, les justiciers de Crad, ils se divisent en deux groupes, les bâtards et les balayeurs. Les groupes nuls. Bon. Je vais aller là où j'étais avant. Faut que je me TP, mais je ne sais pas où en fait. Cour de la mairie. Entrée du boulevard de l'Élysion. La maison, la mairie, la cour de la mairie. Je pense que c'est là-bas qu'on était. Je sais plus. Bah le je dirais que l'univers plus que la DA est assez bien foutu. La DA est... Oui, c'est vrai. En fait, le j'ai envie de dire que c'est même le chara-design qui est cool, des persos. Mais encore une fois, même là, on retrouve trop une patte d'un Souls à la From Software, quoi. Ça la gouille. Il ne faut Timothée Chalamet. Dire Timothée Chalamet. Attends. Il ne faut Timothée Chalamet dire Timothée Chalamet. C'est très dur. C'est très dur, Sam. Merde! Timothée Chalamet. J'ai utilisé mon ulti! Oui, c'est Pinocchio, effectivement. On est dans l'univers... l'univers un peu plus adulte et Netflix tiers de Pinocchio. Et nous sommes Pinocchio. Nous venons de battre un boss, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on va partir sur la suite. On venait de choper du coup la clé sur ce boss. Et voilà. Et en gros... Here it is. Et là, c'est Jiminy Cricket qui nous parle. Everything you see here belongs to Vanini, the classiest playboy and most brilliant. Je vais essayer de faire mon... J'ai pas réussi. De faire mon exécuté là. Mon fatality. Pourquoi il me parle Jiminy là? Jiminy. Ah oui, il faut retrouver le pote de GP Tax. C'était une poupée cette fois, plus qu'une marionnette, elle donnait le genre d'une poupée. Ah oui, je peux pas sauter, c'est vrai, dans ce jeu. Ah merde. Du coup, je suis descendue, je suis dans la merde un peu. I'm into the movies, hein. Ah, je suis redescendue. Bon, je connais pas du tout ici. Hein. Attendez, c'est quoi pareil déjà? Ça, je suis nette. Une ampoule de résistance aux attributs. Punaise, mais ça, il y a plein de trucs que je vais looter, que je vais jamais utiliser. Ça me stresse déjà, là, de looter des trucs où je sais pas à quoi ça sert. C'est trop stressant. Surtout dans un jeu difficile. Dans un jeu où tu sais que le matos peut t'aider. Ah, il y a un méchant. Oh, il a l'air trop méchant. Après, j'ai mon bras, il peut faire des gzzz. J'ai raté! Je me cache tellement de lui. Merde, je me suis trompée. Je me suis trompée de touche, j'ai envie de faire X pour taper. Ça va être compliqué. Lie or die. Die, die, die. En vrai, le backseat sur ce jeu, ça me dérange pas. Voilà. He's ok. He's ok, he's ok. Mais pas le spoil. La surchauffe se conduit lorsque les dégâts de feu s'accumulent. En plus d'infliger des dégâts de feu en continu, la surchauffe augmente les dégâts de feu sur votre personnage et les monstres reçoivent... Point. Que votre personnage et les monstres reçoivent. Elle ralentit également la quantité de PV récupérée naturellement pour les monstres. La quantité de regains de garde récupérée par votre personnage... Ouais bon bah tout, c'est la merde quoi. Utiliser une ampoule de purification. C'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé une ampoule de purification. Comment on court? Comment on court? Avec B. Faut que j'aille récupérer mes trucs. C'était où? C'est là-bas? Ou c'était là-bas? J'ai fait ça, je crois. J'ai fait ça? Pas du tout. Oh, pas du tout. Qu'est-ce que je fais?
si, c'est ça, GG moi. Attendez, je vais essayer de l'exécuter. Ah, j'ai pas réussi, il me le propose pas en fait. Je crois qu'il me propose pas le symbole de griffe au niveau de la cible. Je peux pas faire, je peux pas lancer l'exécuter. Je peux pas faire mon fatality là. J'ai déjà loot ça. Remède miracle. Acheter un remède miracle. La chimiste miracle machin, alias le docteur guérit tout. J'ai pas le temps de lire. Oh, j'ai raté. Il faut que je récupère mes jambes. Coucou. Mensonges de Pi, avec dans le rôle de Pinocchio, Timote Camulet. Timote Chalamet. Timote Chalamet. Oh merde, Timote Chalamet. C'est trop mignon avec l'accent espagnol. Oh merde. Déconne pas le mob, mais ils déconnent zéro tous quoi. Je récupère mes trucs. Je sais plus ce que c'est. C'est pas mes âmes, c'est pas mes runes, c'est... Mon ergo de mort. Ergo c'est mort. Je vais monter déjà. Voilà, ici je suis un peu plus à l'aise. Et toi? Tu peux pas monter, tu peux pas monter, tu peux pas monter. Ohé, ohé. Non. Ah. 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 Pardon, j'ai peur. Oh, j'ai trop peur. Ah. Ok, ok. Non mais c'est difficile, là j'ai pas joué depuis 2 semaines et j'avais joué qu'une fois. Je fais toutes les touches, j'ai fait tout. Oui, Bernie. L'IA d'Ava, il est trop drôle. J'ai vu quelques clips. Je regarde pas souvent le live d'Ava Mind, mais je regarde un peu les clips qui la concernent et avec son IA, c'est très très drôle. Je trouve ça trop cool. En vrai, je trouve ça trop marrant. C'est une utilisation de l'IA qui est trop trop drôle. Oh, je te goom. Ah, là, il me l'a proposé pendant une demi-seconde d'exécuter. Mais j'ai pas pu après. Ampoule de résistance. Ah, peut-être que j'ai dans ma raccourci l'ampoule de résistance en vrai, plutôt que d'avoir ça là. Plutôt que d'avoir une lampe. Non mais, s'en fout. Comme ça. C'est 5. Ça c'est mes trucs bien, ok. Je sais pas comment je mets en raccourci. Oh, tout est laborieux. Oh, tous les binds c'est laborieux. Ça m'agace hein. Protection, outil, catalyseur, ampoule de purification. Je crois que c'est ça du coup. Purifier les marionnettes et ses statuts négatifs d'attributs. Supprime la surchauffe, let's go. Allez dans l'équipement. Je vais mettre ici. C'est bon? Mais non, mais... Oh, ce que c'est... Mais ça rien... Mais pas du tout. Voilà. N'importe quoi. Comment dire chier à un mob? Mais moi, à chaque fois que je dis chier à un mob, à chaque fois que je dis chier dans ma vie, je me fais karmat... Ah, direct. Donc faut vraiment que moi, il faut que je teabag le mob que quand il est mort depuis à peu près 2 ans. Sinon je... Ah putain. Sinon je me fais... Ah, karmater tout de suite. Timote Chalamet. Timote Chalamet. Oui voilà, exactement. Après ça me fait cette émote.
Il court le timing de backstab. En fait, en vrai, il faut plutôt parer. C'est juste que la touche, à chaque fois, je la cherche pendant que je me bats. Ah putain, allez! Ok, j'ai retrouvé mon XP. C'est bien. Ce que je peux essayer de faire, c'est... Non. Pas ça. Attends. Attendez. C'est quoi? Décharge électrique. C'est bien ça. Oui. Ah non, je l'ai déjà dans mes... Ok. Ok, attends. Hop, je fais ça. Putain! Pas ça, arrête! Je cherche les touches, c'est abominable. Tiens! Ma surprise. Ça me fait rire. Alors. Retour de bâton instantané. Ah ouais, bah tiens dans ta gueule. Viens plus. Viens s'il te plaît. Il vient plus vers moi. Attends, pareil, c'est ça. Voilà. Je vais essayer. Ah merde, il en fait deux! Je savais pas. Merde. J'ai un ulti. J'ai raté mon ulti. Ça dégoûte. Je vois même pas sa vie, putain. Et voilà, il a tip tap dans mon dos. Oh, le connard. Faut que je m'en occupe avant. Mais bon, faut connaître tous les patterns par cœur pour pouvoir faire un parage parfait. Et si je le fais pas parfait, je perds quand même de la vie. Compliqué là. Donc ça qui ressent une araignée trop lente. Une araignée contente de choper. Pas trop longue, j'ai mal lu. Ouais, c'est fou que... J'ai eu un peu ce mood. Je peux les spammer, is ok. Et moi, c'est Chalamet. Il tapait à côté, ce nulos là. Quel nulos. Non, je peux pas sauter. Putain. Horrible. Je me suis heal. Faut que je tue ici le gars. Voilà. Quand j'arrive à faire un exécuté, c'est censé faire ça.
plupart du temps ça marche pas. Ouf, ouf. M'isole. Bon, c'est chiant. Non, j'ai envie de taper avec X, c'est terrible. Peggy 18. Ça va. Je suis tranquille, je suis protégée. Merde, j'ai raté. Vite, vite, vite. Faut que je prouve. Oh, j'ai raté. Et là, je suis morte. J'ai raté mon... C'est dur. Oh, c'est dur. J'ai plus de popo. Dégage. Putain, ce connard. Ce connard qui se tâte la poche pendant une semaine parce qu'il a rien dedans. Si je vise pas, il tape complètement à côté, ce nulos. Ok, je peux me heal maintenant, vu que j'ai tué. Je le fais et je continue. Putain, j'arrive même pas à l'achever. C'est même pas un boss, il va... Bon, c'est peut-être un élite, donc il va peut-être pas repop. Mais la vache, quoi! C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Faut que tout personne arrête, c'est la caca. Ferme ta gueule, pour favor. Je plaisante. Il est pas dans la caca, il est spécial. C'est tout. Faut l'accepter comme il est. Hein? Là il meurt de chute, c'est possible. C'est possible, mais bon, je l'aurais tué lui. Et je pense qu'il repop pas. Donc si je meurs là, je pourrais voilà, revenir dans cette zone facile parce que j'aurais plus que eux à éclater. Ce qui n'est pas le plus compliqué. Bah là de toute façon je vais partir me heal un peu là. Et bah en fait je peux pas rester dans cet état en fait. Yo ferma la reula vale. Vale. Ok. Ça j'utilise le Stargazer. Je vais peut-être voir si aller à l'hôtel pour voir si je peux me heal. Salut Xelt. Pourquoi quand j'arrive sur le stream ça me gratte de partout? Lies of Punis de Lee, The Return of the Parasite. Non mais j'ai mis ça parce que j'y peux rien, j'ai entendu toute la journée. Et j'avoue, je voulais participer aussi. Quelque part. Non, toi, ah bah si, c'est à toi qu'il faut que je parle. What do we have here? Vous comprenez que la ville est sur son lit de mort. Mince, faut que je parle comme ça. La pétrification se propage trop vite. La fureur des marionnettes est partout. Nul ne connaît l'origine du désastre. Akrat, tout le monde tente de survivre. C'est pourquoi je suis venu vous trouver. Notre seul espoir, marionnette de Jupiter. Nous sommes uniques, vous et moi. Je manie les rues et je l'ai utilisé pour vous appeler. Je ne peux pas en dire plus. Je vous en prie, sauvez Krat.
Tout ça pour ça, quoi, en fait. Oh, t'es trop unique, s'il te plaît, sauve-moi. Montez de niveau, s'il te plaît. J'ai des points, je les utilise. Je peux large, en plus. La technique, c'est bien. Je vais mettre en technique. Mais il me faut un peu de mobilité aussi, c'est à 6 là. Un goût insuffisant, c'est toi l'insuffisant. Merde, il me manque 200. Je me casse. Eh, en fait, en vrai, j'ai peut-être ce qu'il faut. Il y a des petits bonbons d'ergot à bouffer là, comme d'hab. Voilà. I'll use my power to help you. Est-ce que c'est assez? Ou est-ce qu'il me manque encore un peu? Non, c'est bon! C'est des stats ou un examen de maths? Ouais, mais c'est chiant un peu. Surtout que tu sais pas vraiment ce que ça va améliorer exactement. Faut que tu te renseignes pour ça. Ça prend vraiment tout ce qu'on connaît des souls et ça... Voilà, ça te laisse un peu en galère de la même manière. Donc chiant un peu, mais au moins j'ai utilisé mon ergot. Du coup... On va pouvoir y aller un peu plus solo. C'est cool. Bras de Légion, bah de toute façon j'en ai que celui-là ou le grappin, mais le grappin c'était pas dingue, donc on va continuer avec celui-là. Celui qui fait de l'électricité, faut que je puisse le placer. Et du coup c'était cours de la mairie, donc let's go. On va voir. Faut vraiment que je retrouve un peu mes réflexes au niveau de la manette. Parce que c'est pas des commandes instinctives en fait. D'habitude on tape toujours avec genre X dans plein de jeux. Là c'est la petite gâchette droite. Du coup bah oui je suis perturbée. Voilà. Et on peut pas sauter. Quand je fais A, ça me fait l'inventaire. Ah c'est la touche pour accéder à l'inventaire. C'est des touches what the fuck. C'est comme sur les From Software, mais moi qui suis pas habituée aux From Software, j'ai fait que Elden Ring. Et ben ça reste. Bizarre. Et quand je rebagne, bah, je sais jamais comment rebagne de manière logique. Donc voilà. Mais normalement, je suis censée faire un coup vers le bas, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est aussi parce que je le fais mal. Eh oh ! J'ai vu. Arrête. C'est pas mal l'électricité sur les robots. C'est pas mal. Oh putain, en fait, c'est pas du tout enfin si, c'est un élite, mais pas un... Bref, il repop. Fuck. Oh, je vais pas me faire chier à le retuer, hein. Je l'ai tué une fois, c'est bon. Là, je fais le tour, hein, c'est fou. Hein. Je fais le tour, hein. J'en fous, hein. J'ai loot, hein, c'est bon, hein. Merde, hein. Catalyseur de faible. Non, c'est de fable. Vous allez rentrer chez vous. Chaque boulon serré apporte la prospérité. Another one. Ça va, ils viennent one by one. Merde. Des surchauffe-man. Ah non, grand. Mais t'as rien dans la main, mec. Bon.
Si, on peut modifier les touches, mais en fait, sur Elden Ring, j'avais déjà essayé, j'avais pas trouvé comment faire ça logiquement parce qu'il y a trop de raccourcis à avoir. Et du coup, bah, j'avais essayé, mais c'était pas fou. Donc, si je dois rebind, bah, je saurais pas comment faire et ça va être assez long. Du coup, bah, juste, c'est le problème, c'est que j'ai pas joué depuis 2 semaines, donc si j'avais... Si j'avais joué un peu plus régulièrement, je serais pas... Encore. Belle journée dans la ville de Crotte, mais je demande bien, mon ami, où êtes-vous? Félicitations, sur vous se porte un choix. Un appel où règne le désarroi. Moi, Harvey Chino, des énigmes, je suis le roi. D'accord, je comprends. Vous savez mon nom et pourquoi je vous somme. Qui êtes-vous? Attendez que je vous somme. Si vous me le dites en vain, c'est une énigme de moins. Et j'adore les mystères, pas vous? Seuls les vivants résolvent les énigmes. La ville est pleine de marionnettes. Le paradigme au roux. Voilà l'énigme. Oh putain, mais c'est trop long! Il marche sur 4 pattes le matin. Midi venu, sur 2, ni plus ni moins. Nanana, ouais. Bon. Oh, c'est bon. Sans merde, cette énigme, putain. Il me semble que de base, c'est l'énigme que t'as dans. Bref, t'as plein de trucs. Sans merde. Tu m'as saoulé, j'ai même plus envie de te lire. Trop nul. Du coup, j'ai trouvé une clé de la Trinité. La clé de la Trinité permet d'entrer dans un sanctuaire de la Trinité renfermant des objets rares. Peut-être qu'il y en a, il y a une porte pas loin. Non. Merde, je me suis encore heal. Fuck. Énigme du Sphinx, oui c'est ça hein. C'est l'énigme que le Sphinx donne à Oedipe. Et je crois qu'on entend aussi cette énigme, je me demande si elle est pas aussi dans... si elle a pas été reprise dans... Comment ça s'appelle? Le Hobbit. Les contes. Si c'est pas celle-là que donne aussi... que donne Gollum à... Les reprises partout. Mais oui, on s'emmerde avec cette énigme de merde là. Le matin, je suis avec 4 pattes, le midi sur 2. Le soir, je mange des pâtes. C'est pas mal! Tellement de films. Ouais, non, c'est vrai. Tellement de films, de bouquins et tout. Franchement, ils auraient pu vraiment choisir autre chose. Peut-être qu'elle est aussi dans le conte de base. Je sais pas, j'y crois pas, mais ça n'aurait aucun sens, donc non. Vraiment aucun effort. Aucun effort. On a voulu faire du clicheton. On l'a fait, hein. Ah, cool! On répare le Stargazer. Tu as les dents Fort Boyard aussi. Je pense qu'ils ont été... Je sais pas. Dans le tout premier peut-être. Après ils ont dû faire preuve d'imagination. Parce qu'en vrai les énigmes, voilà, il y a un peu d'imagination. Les charges électriques sont efficaces contre les marionnettes. Partez si vous n'êtes pas un rôdeur. Mais du coup quand je prends le Stargazer, est-ce que ça recharge mon bras? Oui. On voit pas mais voilà c'est ça. C'est ça ma décharge électrique. Est-ce que c'est ça là où j'ai trouvé la clé? Ah. Si je fais ça. Non, ça marche pas. Go go go. Pas grave. Je vais m'en charger du coup. Mon coup n'est pas fatal, mais il fait parfois mal. Oh non! Souvent je suis dressé. Oh, ils sont 1000! Et sans bon la marée. Que suis-je? Et haine de fait. Non, dégage! Oh, tu es méchant! Ah! Faut que je pars. Pas que je parte, mais que je pars. J'ai bien paré là! J'ai bien paré de fou, vous avez vu? Ah! Ah!
Non mais la 12 là, il me tape à plusieurs, je suis méchant. Je les ai eus, ils m'ont eu mais je les ai... Arrête, c'est chiant. J'en ai marre de fuir. Trop dur. Trop loin. Faut pas que je sois proche là. J'ai bien raté. Comment ça se fait que j'ai raté comme ça alors qu'il était en face de moi? Je peux savoir ça? Ça va. Ça va, qu'est-ce... C'est chiant là. Ouais, mais j'ai plus de vie. Je vais aller voir. Écoutez, j'ai nettoyé, je vais aller voir. C'est ma vie. Effectivement. Super ref. J'avais trop peur, vas-y. J'ai plus de vie là. Je peux pas monter ? Ah, faut que je le fasse descendre le truc. T'as compris, faut que je... J'ai gagné. Ah. Lui, il va être un peu plus long, lui. Génial, il y a de la corruption. Putain, on se croit au gouvernement. Oh la blague nulle. Oh la blague nulle. Oh, je suis tellement nulle. Faut que j'arrête. Ok. Je suis dans la sauce. Prenne ces deux boules. Ces deux boules, je vais me prendre dans la gueule. Hein. Marodène du turfu. Super. Bah là, elle a l'air bien dans le présent quand même. Vas-y. Non, je m'en vais tellement. Putain. Mais jamais je survis à ça. Il y a de la corruption et tout, et ça, comment je fais là-bas? Attends, faut que je passe, faut que je cours en fait. Faut que je cours, j'ai pas le choix. Sauf président Macron. Non, 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 non. Non, je dis non. Arrête! Il me faut le truc anti-corruption, j'ai oublié où je l'ai mis. Voilà. Oui, bah prends ton temps, c'est super! Allez, loot maintenant! Putain, mais je te déteste tellement! 3 jours et demi! Mais je peux pas me battre là-dedans. Tu te doutes bien le monstre en fait que je peux pas. Bon alors on se bat dans ce petit carré mais c'est pourri en fait. Ah j'ai eu un truc qui... Attendez j'ai eu du loot. Vous savez quoi, je vais monter, je vais voir. Oui on se croirait complètement dans cette zone là Sam dans Elden ouais. C'est complètement ça.
Mais par contre... Attendez, j'ai eu un équipement, je crois. Equipement. Tenue. Mais ça donne aucun bonus, en fait, les tenues. Mais j'ai eu un truc, j'ai une arme, je crois. C'est ça que j'ai eu ? Mais si je la mets, je serai en... Ce sera trop lourd pour WAM. Et ouais. Oh putain, la gueule. Mais je l'ai pas mise. Et oh. Ça fallait vous éternuer dessus. Merci! Ça va revenir. Non, ça va. À tes mensonges, à tes amoureuses. À tes pis, quoi. Non, mais j'ai trop peur en fait. En vrai, ça me fait trop peur. Retirez, voilà. Mais où mon arme? Comment je la choisis? Je comprends R. Franchement, je m'en rappelle plus. Je l'ai mis en 1. Ah voilà. Merde! Ouais, elle a l'air bien, hein. Et franchement, j'ai plus rien à perdre, je tente. De manière très désespérée. Hein. Ça se trouve, il est easy. Ça me pousse la sueur. Peur de quoi d'éternuer ? Non, mais pour vous, ça aurait été fort. Nickel. Ça se passe super. Ah, je lui ai enlevé beaucoup de vie. La corruption se produit lorsque les dégâts de corruption s'accumulent. Oui, bon, j'ai pas compris. Une ampoule de purification. Bah, je les ai toutes utilisées, ok? Moi, c'est une. Mais je fais quoi, du coup? Ah bah, attendez, je peux peut-être passer par là. Franchement, j'ai pas laissé grand-chose derrière moi. Je vais pas me faire chier à les récupérer, je crois. Oh, si, je peux y aller. C'était facile, j'étais au bord. Attendez, je vais aller récupérer mes objets. Et après, on va faire le tour. Ah, mais ouais, mais non. Parce que là... Vas-y, je m'en fous. Ils descendent pas de toute façon. Ils savent pas descendre. Donc je m'en fous. Récupère ça. Je m'en vais. C'est un robot mixeur. Je sais pas, j'aurais plus dit qu'il faisait dans le l'aplatissage. Ah ! Y'a rien à foutre ! J'en ai tellement rien à foutre de vos gueules ! Vous savez même pas à quel point ! Voilà. Ensuite, je passe par ici. Je vais looter ça déjà. Ça va être super. Est-ce que c'est super ? Ergo, c'est super. Ensuite...
plus haut que ça. Tu vas faire quoi? Ensuite, je peux descendre ici, mais je pourrais pas remonter tout de suite, alors je vais voir ce qu'il y a là-bas. Le lieu est glaçant, comme si une chose allait surgir à tout moment. Ah bah je sais ce qui va surgir, hein. Jiminy, il est sur nous. Mais tu sers à rien, Jiminy, vraiment, quoi. Allez, approche-toi. Moi, je m'approche pas, hein. Oh, tu saoules. Mon épée, elle est bien en vrai, hein. Une pierre de lune. Mais j'ai pas besoin d'eau, moi. Je peux pas passer là encore. J'ai peur de tomber. Ouais, non mais je pense qu'en fait c'est surtout que la zone là, il faut que j'y accède d'autres manières. On voit bien qu'il y a des trucs pas atteignables à certains endroits et tout. Je vais essayer d'atteindre avec d'autres méthodes. Oula. Ils font mal, dis donc, eux. Donc ça, c'est la porte que je pouvais pas ouvrir. Maintenant, c'est bon. J'ai un truc. C'est quoi? Lame de salamandre. Poignée d'attaque de salamandre. Oh bah, venez, je regarde. Combustion. Oh, attendez, je vais tester, hein. Je garde pas trop d'armes pour pas que ce soit trop lourd. Ah bah j'ai tellement pas gardé trop d'armes qu'en fait j'en ai plus. Ok, on va tester ça. Oh, j'aurais zéro portée par contre, hein. Bon, on va voir. Salut Romain Desbois. C'est ma destination qui compte, c'est le voyage. Mais non, mais de toute façon, là, ça servait à rien, même si j'avais tué le gros mob. Bah en fait, il y avait rien en bas. J'avais looté déjà tout ce que je devais looter. Donc je pense que c'est pas là tout de suite maintenant qu'il faut faire ça. Je pense là, faut explorer. Le jeu, il me dit, bon... La zone est clairement de la merde, t'es clairement pas prête pour ça. Trouve une solution. Va ton chemin. J'ai pris des dégâts, moi? Ou quand? Alors, je vais descendre peut-être par ici. Là-bas, on a du peuple. Je peux passer sûrement sur les tuyaux. Et la fosse. Il y a un mob qui m'attendait. Mais je peux peut-être. Oh, le feu, il aime pas ça du tout, c'est cool. Ah merde. Merde. Oh, waouh! C'est pas une arme ça? Mais il me tape avec des trucs aléatoires! Mais ouais, mais je suis trop perturbée aussi. Le gars me tape avec une mini tour Eiffel. Ce jeu est pas trop dur. Bah c'est un Souls quoi. Donc c'est pas un jeu où on s'amuse énormément. Après t'inquiète pas. Quand il jouera, tu trouveras toujours 1000 personnes qui diront ça je l'ai fait en one shot en fait.
En fait, suffisait juste de faire ça, mais c'est pas grave en fait. Voilà. Mais vous m'emmerdez! Oh, mais ils mettent 15 jours à taper! J'avais pas envie de me heal tout de suite là. En plus, j'avais rien à foutre ici! Je sais même pas pourquoi je suis là, moi. Même pas ce que je suis là. Je refais ça. Je me saoule. Paris! Paris dans ta gueule! Oui, son arme m'a perturbée. C'était pas fascinant. J'entends un trou. Mais non, mais qu'est-ce que je fous là? Pardon, excusez-moi, j'ai vu dans quel trou je dois aller. Souvent ce qu'on dit en partouze. Mais le truc c'est que je sais pas. Je sais plus où est le trou. Ah, encore une fois. Non mais ah voilà, c'est celui-là. Excusez-moi. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et vite, je recule avant de me faire un latte. Comme un café. Voilà, loot, mets bien 15 minutes à loot, s'il te plaît, hein, histoire que... Ah bon, d'accord, j'ai compris. Mais franchement, je m'éloigne. Je crois qu'il y a personne derrière moi. Les autres, j'aime pas eux. Ils ont l'air, ils sont lents à taper, mais ils te tapent d'un coup. Regardez comment ils avancent. Là, c'est terrifiant. Sérieux, il m'a tout shot! Oh là là! Mais relou de Elden Ring, vas-y, moi je l'ai fait en 10 retries. Ouais, c'est ça. Toi, Marcel, ça fait 150. Retries, viens pas me raconter la mesure de ton. Ah, mais le e-pénis! Tu sais, ça sert souvent à ça, hein, les chats. Souvent, quand t'as des gens qui ont fini le jeu et qui viennent. Le chat de noob, t'as deux catégories. T'en as deux qui sont en mode « Ah, je vais peut-être essayer de conseiller si la personne demande » et puis « Ah, et qui t'encourage un peu, tu vois, genre. » Les gens qui savent ce qu'ils valent et qui sont là pour encourager les noobs. Et t'as ceux qui savent pas ce qu'ils valent et qui ont besoin de faire chier les noobs. À chaque fois, je me trompe. Et du coup, voilà. On les remarque vite, eux. On les remarque très vite. Le cri de papy du tout quand je panique? Ah ouais? J'ai pas la ref là tout de suite. Moi souvent quand je panique je fais le cri de Peter Griffin sinon. Merde, j'ai raté. Ah, arrête. Oh là là, je me casse tellement. Oh. Ok. Allez, let's go. Non, il était trop loin. Ouais, parce qu'il a pas voulu me taper tout de suite, ce bâtard. Oh, ils sont terrifiants. Ça l'ouvre moins sa gueule. Ah oh, faut que j'arrête. Ok. Non, j'ai pas de la portée. C'est vrai que t'es lent toi.
Donc en fait, je peux te niquer dans le dos, toi, hein. Bon. On va pouvoir avoir ce coffre. Il va me taper de là-haut. Il va venir. Il va totalement venir. Il va me tomber dessus pendant que je vais loot. Tu attends que j'ouvre le coffre, à vous. Voilà. Cartouche de choc. Encore un truc où je sais pas ce que c'est. Cri de papillon. Qui a été dégueu. Attends, je regarde. J'écoute le cri de papillon. C'est important. Te fais pas de bile. J'expliquerai aux autres Pokémon que tu as dû partir. Et ah, c'est un peu plus. Ils ont rendu aigu le truc. Au revoir. Vraiment, je fais ça moi. Vraiment? Vraiment? C'est pas ça moi. Vas-y, j'ai une voix grave. Moi je fais des cris de... Des cris de rage, tu vois. J'ai des... Bon. Je dois passer à la suite. Arrêtez. C'est pas vrai, c'est pas ça ma voix. Roue à dentis. C'est super. C'est une arme ou pas? Qu'est-ce que j'en fous de ça moi? C'est mignon, mais arrêtez de me donner toutes vos brolles là. Ça veut dire vos conneries, votre bordel. Qu'est-ce que je fous ici moi? Sur un tuyau? Oh, il tombe. Ah non, il tombe pas. Bon. Eh ben... Mais ouais, mais moi faudrait que j'accède à là-haut. Et du coup pour ça, y a pas un truc à faire là pour virer ça? Bonhomme, vas-y. Ah! C'est quoi? Ah, donc, arrête! Il va sortir un truc pas cool dedans. Il y a pas des chatons enfermés là-dedans, hein. Moi je sais, hein. Il y a pas des cadeaux pour tout le monde, hein. C'est pas un truc de cadeau, ça, hein. C'est pas un purificateur d'air non plus. Non, ça c'est la mort. J'ai vraiment aucune échappatoire. Bah je... Allez. En plus j'ai 3000... Non mais... 3400 trucs, là. Vas-y. Oh, il a l'air terrifiant. Ouhou. Dans la gueule. Allez. J'ai trop peur. Ah, il me fait trop peur. Ah, j'ai plus de bras. Enfin, j'ai plus de trucs pour mon bras. Ok. Ah, il faut que je fasse de dos. Si. Attends, c'est pas ça que je veux, c'est ça, voilà. Ok. Faut qu'il soit de dos et je peux le taper de dos. Putain! Oh là là, genre là. Putain, le coup de latte. Faut que je pars. Mais impossible à anticiper, je le vois même pas. Putain, arrête!
Un sup. Mais trop dur! Oh, vite, dans le dos! Non, j'ai pas eu mon... J'ai pas eu ce que je voulais. Ma lampe, elle lui... le feu, ça lui fait rien. Je pense que je devrais changer d'arme. Avoir un truc plus lourd. J'ai pas un exécuté! Ah non, j'ai pas un exécuté! Ça dégoûte. Ah, c'est vrai qu'on dirait un peu qu'il a des grosses tongs. Du coup, il met littéralement des coups de doigts de pied. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y, fonce. Fonce. Coup de latte encore. Je te déteste. Ouais, je peux pas faire d'exécuter derrière. Vas-y, t'es aussi courageux que moi, du coup ça va faire une éternité le combat là. Merde, je me suis trompé de touche, je voulais esquiver, j'ai réussi à me tromper. Ouais, l'arme est vraiment pas ouf sur lui. Il faudrait mon autre arme que j'ai lootée il y a pas longtemps. Je continue à foncer dessus. Tu viens souvent à Paris? J'y suis allée une fois, je me suis fait gazer à cause d'une manif alors que je voulais prendre le métro. Welcome to Paris! Ouais, je pense, t'as raison, Féline. Et puis comme ça, j'aurai un peu plus de distance. Après, bah, je pense que j'ai pas besoin d'avoir tant de distance, mais c'est vrai que le feu, ça lui fait rien. On va changer. Retirer. Je mets qu'une arme, parce que sinon, ça me fait du poids en plus, et du coup, bah, mon perso est encore plus lent. Donc j'essaye de pas mettre qu'une... Je peux avoir deux armes, hein. Je peux switch normalement, mais ça fait que ça me fait plein de poids. Donc j'ai pas trop envie. Arrête! Si t'es pas prête. Non, il s'est mis en rouge, ça dégoûte. Vas-y, je m'en fous, je vais. Nous disâmes. Bah de l'eau. L'électricité, je pense que ça peut être bien, mais faut que je puisse le faire. J'avais plus mon bras, parce que bah, j'ai buté trop de mobs. Là maintenant on va courir, on va pas se faire chier à les buter. Et j'aurai mon bras gauche qui fait de l'électricité, je pense que ça peut être pas mal. Tu peux pas changer d'arme en combat? Bah si j'en ai. En fait voilà, ouais, comme je dis, si je peux switch entre mes deux armes, si j'en mets deux dans mes raccourcis, mais j'en mets qu'une pour m'alléger un petit peu. Qu'est-ce que je fais? C'est fait taper par son pote. Ridicule. C'est chiant, je me tape ça à chaque fois. Allez. J'ai pas le time. Rien à foutre. Rien à foutre. Normalement, ils vont m'oublier ici. On va espérer que vit. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie qu'il me tombe dessus pendant mon combat. Les autres ils m'ont oublié, j'espère. Bon, j'ai mes runes à aller chercher là-bas. Allez, salut. Super, ça commence super. Ça lui fait mal ou pas? Pas fou, hein. Je suis lente avec cette arme. Je vais chercher mes loot. On verra après. Attends. Laisse-moi le temps. 2 minutes. Ok. Allez, je me heal déjà. Let's go. J'ai esquivé ta mère. Dans ton fiac.
t'as rien fait. Oh, il en a rien à foutre de l'électricité aussi. Oh, je te la merde. J'essaierai de prendre... Je vais prendre mon autre arme. Celle-là, elle est trop lente. Enfin, ça me... elle me rend lente, en fait. Ça se passe trop mal. On va faire un peu de dégâts, mais c'est pas fou, hein. Trop dur. Faut que je pars. Allez, je vais essayer. Ouais, j'ai pas fait du coup de super parade du tout, donc ça n'a pas eu d'effet intéressant. C'est risqué, j'ai voulu savoir combien de temps j'enchaînerai. Bonne nuit hantée, des gros bisous. Bon courage pour ta semaine. Bah... Après, je peux avoir mon épée de feu et mon autre petite arme, peut-être. Mon dot de feu, c'est toujours pratique. Ou alors, je fais un mix. Je vais voir. Je vais rechanger d'arme. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pas ici que je dois aller. En plus, il y a les méchants. Il y a les méchants. J'ai un debuff ou quoi? J'ai l'impression. Celle-là que j'avais à la base, elle fait combien? 94 plus 29. Elle a fait 130, mais c'est normal. Celle-là, elle est moins bien en vrai. Mais c'est du feu, quoi. Mais si le feu ne met pas un dot intéressant, sur certains mobs, j'avais l'impression que oui. Pour d'autres, pas trop. On va remettre mon arme de base, du coup, c'est celle-là. Et on va voir. Ah, il y a de l'eau là où on est? Putain. Aïe, aïe. Je vais sur Disney un peu. Ça marche, Sam. Bonne game. Tu nous dis un petit peu. Si tu testes les renquêtes, tu me dis un peu. Que t'en penses? Un peu d'Oemer parfois, certains. Pas tous, mais certains, oui. D'accord. Bon. Je veux tout de suite... Ah oui, il y a de la flotte, ouais. Mais justement, l'électricité, ça devrait faire un truc un peu... Je sais pas, c'est un robot. Normalement, les robots, c'est bien pour l'électricité. Enfin, je sais pas. Oui, j'ai pas ici. Je sais pas. Ok, là j'ai réussi parce qu'il était un peu ralenti. Ce qui est cool pour moi, faut que je fasse très gaffe. Faut que je fasse mon Y. Oh non, ça lui a rien fait parce que j'étais pas du mauvais côté. Quand il y a sa barre qui est en blanc, en fait, il faut que j'essaye de mettre mon ultime. Mon ultime, c'est les petites barres bleues. Je l'avais, mais sauf que je l'ai mis quand il était shieldé, donc ça ne servait à rien. Mais en gros, quand on le met, ça fait que ça, voilà, ça assomme le mob, et ça te permet après de lui casser sa mouille. Mais bah, j'ai un peu raté. Ce qui est dommage. C'est pas mal, en fait, l'électricité. Oula, je joue un peu trop là. Je me heal.
c'était risqué de faire ça. Je me heal. Putain! Merde, il s'est reculé! Il s'est retourné plutôt, pas reculé. J'ai plus beaucoup de vie, fasse très attention. Merde! J'ai pourtant esquivé. Ça ne m'a pas servi à grand chose. Oui, vite, ça pleut! Ah, il m'a achevé! C'est con, il avait plus beaucoup de vie! Bon, on va y arriver. Hello, Gwendo! Il paraît long. Ouais, on peut s'en servir. Faut juste que. Faut juste que je grise pas trop. Comme souvent. Si j'arrivais à parer, ce serait plus simple, mais en fait, j'ai pas l'impression que ce serait très utile, vu qu'en fait, mon but, c'est juste d'esquiver pour être déjà derrière lui et le taper. Donc, la parade, c'est pas la strat, quoi. Il était presque, oui! Oh, ça va. Oh, ça va, petit Lies of Peace, ça fait longtemps. Je suis obligée de le faire, lui, à chaque fois. J'ai envie de faire de la vie en tapant, en passant à côté. Lui, on fait ça. Merde, je voulais... Je vais éviter ça. Ça saoule. Moi, ça me saoule tellement dans ces jeux-là qui sont déjà très... très punitifs, le fait de pas juste au moins avoir un TP proche du mob. Rien que des fois pour le gain de temps et du coup avoir moins de perte de patience aussi. Let's go! Bon, ça s'est super bien passé, je peux déjà utiliser un heal, mais c'est pas grave, on va pas l'utiliser tout de suite, hein. Putain, à chaque fois c'est dur ça. Allez, s'il te plaît. Ok. Ah, ça lui a pas fait grand chose en fait. Je pensais que tu les ferais plus. Parce que je t'ai pas full ulti. Merde. Oh, le coup de Dieppe. Bon. À chaque fois ça, je galère à esquiver. On va attendre qu'il revienne un peu. Les mobs que tu croises ont l'air super durs par contre. Ouais, encore ça, c'est pas un... C'est même pas un vrai boss, ça. C'est un semi-boss. C'est un semi-boss parce que les salles de boss, elles sont limitées par... c'est vraiment une zone instancière, on va dire. Et du coup, tu dois passer un portail pour les... pour commencer le combat. Là, y a pas, donc c'est même pas un boss. On est sur du... Ouais, je pense que lui, par contre, il repop pas quand on le tue. Pourquoi j'insiste, moi je suis un peu nouille moi. Merde, c'est pas le moment. Ouf, oh la chance. Oh, j'ai trop bien esquivé ça par contre. Allez, on est presque.
petit coup de latte, ça faisait longtemps. Ah bah là, si tu le mets dos au mur, je vais galérer, hein. Non, je vais die parce que je suis grid. Ah, j'avais plus le droit à l'erreur. J'ai trop grid, mais j'en avais marre. Il est long ce combat, il est pas dur, mais il est trop long. Bon allez, la prochaine c'est la bonne quand même. Mais ouais, c'est fou l'esquive, ouais. Le titre du live. Ouais bah j'en ai entendu parler toute la journée. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis ça en titre. Une run à 1 HP. Jamais hein. Jamais hein. En fait, je la fais sans le vouloir, la run à 1 HP, quoi. Allez, viens, s'il te plaît. J'ai pas envie de perdre de vie. Du coup, je fais un peu ma flippette de fou. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'économiser mes popos. Allez! Putain, voilà, ça met 3 jours à se péter. La prochaine fois, je le défonce, lui. Saoule. Saoule de fou. J'ai une cape d'invisibilité. Et j'essaye de me cacher dans des buissons. Justement, avec ma cape, là. Ça devrait m'aider. Que dalle. Ah, punaise, comment ils font direct dessus, ce petit bâtard. Vas-y, 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 viens, 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 viens. Non, mais recule pas plus, s'il te plaît. Pas déconner. Là. Putain. J'étais de côté. Mais j'ai rien fait encore! J'ai esquivé trop tôt. Allez, déjà un petit peu pot. Faut que je fasse gaffe à pas être à court d'endurance quand je dois esquiver. C'est ça qui est important. Genre là! Pas beaucoup de dommages, mais j'essaie de monter mon ulti plus qu'autre chose avant de provoquer. Avant de provoquer son stun. Pour essayer de l'avoir à fond. Et réussir à faire quelque chose. Pas. Je l'ai toujours pas. Allez. Non. Putain. Allez, allez, il est tout blanc. Eh merde, c'est mort. Je tentais des trucs là, ça me saoule. J'arrive pas à monter mon ulti. Faut vraiment que j'ai les 3 barres d'ulti. Pour pouvoir bénéficier du moment où il a sa barre de vie en blanc. Mais bah le truc c'est que à chaque fois j'arrive pas à l'atteindre. Et j'ai l'impression que si j'ai pas mes 3 barres d'ulti ça fait rien. Ça fait rien du tout. Et faire du vroom aussi. Oui ça marche. Oh t'as, vous inquiétez pas, ça devrait être chill sur... sur Lies of P. Désolé si je vous lis pas tout ça. Si je suis un peu concentré. Du heal de secours sur les ennemis. Bah en fait le heal j'en ai 4. C'est les 4 petites trucs fioles bleues que tu vois. Et en fait, elles sont... Ah putain, mais je fais n'importe quoi! Connor! Elles sont de nouveau... mes popos. Elles sont de nouveau opérationnelles quand... quand je meurs, quoi, en gros. Et ouais, mais parce que je vise pas aussi. Et du coup...
Et du coup, ça fait que c'est mon nombre limité de popo pour jusqu'à ce que j'aille sur un que je meure ou que j'aille sur les points de respawn. Et je peux, en tapant des mobs, quand j'en ai plus du tout, je peux en récupérer une, mais faut que je tape pas mal. Et je pense que si je tue un mob, ça me fait récupérer plus de recharge. Donc voilà, mais je récupère mes popos à chaque fois que je meurs. Ça, par contre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, j'ai tout mon ulti. Putain! Putain, mon ulti comme une fioc! Chaque fois ça, j'esquive trop tôt. Ah, j'espérais le stun. Vite, faut que je me heal. Oh, je l'ai raté, mon ultime. Putain, mes bouts. Ah, c'est shit de merde. Oh, d'accord, le mouvement improbable que tu fais, dude. D'un moment. J'ai plus qu'une patience avec lui. C'est trop long. Je peux pas le faire. Dut. Ça fait du gibine. Peut-être que je fasse ça. Attendez. Non, j'ai raté. Voilà. Peut-être que c'est pour ça aussi. Je sais pas. Ah, j'ai récupéré mon popo. Je vais tellement utiliser maintenant. Bon, allez, viens parler, j'en ai marre. Oh, punaise. Oui, vas-y. Je vais faire un peu des dégâts de faire comme ça. Mais t'es trop long, franchement il est pas dur, pas de patience quoi. Pierre de lune, calibre ou machin. Mais j'ai eu un dispositif et j'ai pas le temps de lire ce que c'était. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci, vous êtes pipou. Punaise de lit. Pièce de modificateur de bras. Ah! Modifier mon bras, ça doit être pour mon truc. Pour mon bras gauche, pour avoir un nouveau truc peut-être. Peut-être modifier en utilisant la machine d'artisanat. Dispositif de correction d'atelier conçu afin de renforcer la solidité et la densité du bras. Des bras. Ok. Peut-être que ça peut me servir de shield du coup. Bon. Ça m'a servi à quoi de faire ça? En vrai? For real? Est-ce que ça avait la moindre utilité de me faire chier à le tuer? On va voir que peut-être. GG, merci beaucoup, vous êtes pipou. Oula, ça fait une lumière rouge. Ah ça me mène jusqu'à un coffre. Je crois. Ou faut que je tape.
Ah oui, non, c'est pas ça, faut que je tape. Et ça me donne... La manivelle conçue par l'atelier pour permettre des ajustements délicats pour la poignée d'armes. D'accord, je comprends rien. Ça m'énerve de rien comprendre. Faites simple, je vous en supplie. Oh, ça c'est un point de respawn. Oh, j'y vais. Ah, j'ai pris des dégâts. Ouh, on a Stargazer. C'est un petit peu la police de caractère de Disney, je trouve. Genre de la Reine des Neiges, un peu. Enfin! Merci beaucoup! Je vais arrêter la VOD ici. Bisous VOD, on a tué un mob. Franchement, grosse session là.